tous. Alors on se retrouve pour une vidéo ouverture de colis. J'ai la boutique FG Normal qui a renouvelé la collaboration avec moi courant mars. Donc j'ai sélectionné trois toiles de Diamond Painting et je vais vous montrer tout de suite. Alors en premier, il s'agira d'une toile pleine en 30x40 qui fait partie des petites nouveautés sur le site. Il s'agit d'une mignonne petite, alors je pense que c'est une licorne, hein. Je ne sais pas du tout parce que je vois qu'il y a deux cornes, donc je sais pas du coup, je sais pas. Je suppose, vu les pattes, enfin je sais pas, je pense pour moi que c'est une licorne. Donc, avant de vous la montrer, je vais remettre le plastique. Alors déjà, la seule chose que je constate, c'est que les couleurs sont magnifiques. On a des bleus, des mauves, des roses. Je vous la montre de plus près. Alors au-delà d'être supra mignonne, les couleurs sont magnifiques. D'ailleurs, on en a 22 couleurs. Et c'est pareil, hein, il y a toute une petite collection dans ce style-là, avec d'autres animaux. Et franchement, c'est difficile de ne pas craquer dessus. Donc, on a le toolkit. Je vais essayer de bien vous la positionner. Alors, du coup, en diamant rond, nous avons du blanc, du bleu. Donc ici, on a un gris chaud, du bleu, du violet rose. C'est ni violet ni rose, hein, c'est vraiment entre les deux. Un très beau bleu, encore du bleu, du rose. Ici, on va avoir plusieurs variantes de bleu, du rouge rose. Ici, on a un beau rose foncé, du noir, un très beau rose pastel, encore des bleus, du rose et encore plein de bleus. Et on termine par un turquoise. D'ailleurs, celui-ci, ça me fait penser à... du turquoise clair du coup. C'est une super jolie toile, franchement les couleurs sont vraiment vraiment magnifiques. Donc cette toile, elle est au prix de 5 $. Donc, je vous la remonte de plus près. Elle est trop marrante. Elle est trop marrante. Ça colle super bien. Au niveau des symboles, hein, moi je vois très bien d'ici, mais je vous montre, on voit très bien aussi. Les toiles sont très souples. Voilà pour celle-ci. En deuxième, ce sera une partielle qui fait partie également des nouveautés. Et c'est un pan.
il est sublime. Franchement, il est trop beau. Alors, on a 10 couleurs en 30 par 40. Les nouveautés pan sont vraiment magnifiques hein, sur le site. C'est vraiment dur de choisir aussi. Elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Donc, je vous la mets ici. C'est vraiment magnifique, hein, la queue du paon comme ça, c'est super mignon. Je vous la mets là. Donc on a le toolkit et on va regarder les diamants. Alors, donc on a des strass verts, du bleu, du argenté, du rose, du rose rouge. Là, on a du violet, ça fait un peu mauve. On a des ronds blancs. Basique mais de taille plus grosse que les diamants basiques évidemment. Ici on a des petites fleurs argentées, c'est marron. Des ronds orange avec des reflets multicolores. Et on a tout un tas d'œils de chat rose avec des reflets multicolores. Alors, on va regarder si ça colle. Ça colle super bien. Je vous la remontre une dernière fois. Au niveau des symboles, c'est impeccable. Oh, le focus, il n'a pas aimé. Il n'a pas aimé ce que j'ai fait. Voilà. Donc la voilà, parmi tant d'autres. Donc cette toile, elle est disponible, pareil, dans les environs de 5$. Pareil, toutes les toiles, là, les trois sont au même prix sur le site. Et en dernier, alors forcément, avec l'arrivée de Pâques, je ne pouvais pas prendre, enfin ne pas prendre, une toile en rapport avec Pâques. Donc j'ai pris un mignon petit lapin blanc avec des petits œufs. J'ai craqué dessus. En 30 par 40, hein, pareil. Et évidemment, elle fait partie des nouveautés. Alors, je vous le montre. Il y a 24 couleurs, c'est en diamant rond. Il est trop choupinou, petit lapin. On a le toolkit. Je vous le laisse sur le côté ou sur... Je vais vous le laisser ici. Quoi qu'on ne voit pas les œufs. Voilà, là c'est mieux. Ah bah écoutez, du coup c'est en sachet zippé. Alors je vais tenter de vous montrer comme ça. Donc on a du rose pâle, du marron, du violet, du noir, du gris, encore un violet. Un vert kaki, du gris, un marron qui tire un peu sur le caramel, du gris foncé, du orange, du rouge, du rose foncé. On a encore un marron très foncé derrière.
un rose très très clair, limite couleur peau. Ici c'est pareil, on a un jaune qui tire un peu sur le ocre. Encore du violet. Et alors il y a différents variants de violet, vous voyez. On a un rose qui se cache au milieu. Donc c'est que des violets hein, qui restent. Alors je ne sais pas du tout si c'est du noir. Ah non, le noir il est là, donc ça doit être du marron très 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 foncé ici. Attendez. Je vais quand même vous montrer, ça m'embête de ne pas montrer comme il faut. Donc voilà les couleurs qui étaient cachées. Donc on a du violet, du marron très 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 foncé, du rose, un autre violet. Et ici c'est un marron. Donc voilà. Alors comme je vous ai dit, c'est une toile qui est au même prix que les deux autres, donc c'est-à-dire 5$. Je dis environ parce que des fois avec la différence au niveau dollar, au niveau euro, il y a d'autres monnaies aussi. Donc des fois ça traduit sur le site, mais des fois ça traduit pas. Donc je dis environ 5$ parce que c'était 4,99€. Donc voilà. Donc je vous la remonte, j'ai même pas testé. Ah si, ça colle super bien. Voilà. Au niveau des symboles, c'est pareil, c'est super lisible. J'allais dire supra lisible. C'est pas très français. Donc voilà. Franchement, une fois fini, celui-ci, il va être vraiment super mignon. Donc voilà pour celle-ci. Alors, je tiens à remercier FG Normal d'avoir renouvelé la collaboration avec moi, de faire confiance à ma chaîne. Qui grandit petit à petit, qui grandit niveau nombre d'abonnés, je veux dire. Donc je remercie vraiment le FG Normal de me faire confiance. Moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez un petit coup de cœur sur l'une ou sur l'autre. Et puis voilà, moi je vous mets tout comme d'habitude en barre d'infos. Le lien de la boutique, le lien des toiles. Et puis voilà, n'hésitez pas à commenter. Et me donner votre avis sur ces toiles. Donc voilà, moi je vous laisse ici et puis je vous dis à très vite. Ciao.